m'appelle Sophie Pollen, j'ai 64 ans et je suis maman de 5 garçons. J'ai été enseignante en maternelle pendant 20 ans et puis ensuite présidente des parents d'élèves, d'abord départementale et puis régionale dans les appels. Alors Ouistreham, j'y suis depuis uniquement 3 mois. Je connais cette ville depuis bien longtemps puisque j'y ai emmené mes enfants petits à la plage lorsque j'habitais à côté de Lasson. Et pourquoi je suis venue à Ouistreham? Parce que la vie a fait que ça n'a pas été facile tous les jours et que c'est ici que j'ai trouvé ma bouée de sauvetage, ma bulle de bonheur. Et c'est avec grand plaisir que je suis venue vivre ici. Pourquoi j'ai voulu rejoindre le comité de soutien de Romain Baille? Parce que Romain Baille, je le suis depuis 4 ans, même n'habitant pas Ouistreham. Et ce jeune maire m'a interpellée. Je suis venue souvent à Ouistreham. J'ai vu la ville changer. J'ai vu la ville devenir plus vivante, plus gaie. J'ai aussi beaucoup apprécié tout ce qu'il fait en animation, puisque je suis très attachée à tout ce qui est communication et tout ce qui est événementiel. J'ai trouvé que cette ville était très, très, très vivante. Et je suis venue régulièrement à Ouistreham. Je l'ai écoutée, je l'ai suivie. Et je me suis dit, pourquoi pas l'accompagner dans ce nouveau challenge qu'il se lance. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le comité de soutien. Alors, il y a beaucoup de choses positives à Ouistreham. Qu'est-ce que j'aimerais voir changer? Peut-être effectivement le quartier du port, là, le poisson, un petit peu plus joli. Et puis surtout par rapport à l'événementiel. Des événements, il y en a beaucoup à Ouistreham. Il y a eu l'Hermione, il y a eu les voitures, il y a beaucoup de choses. Peut-être quelque chose qui serait encore plus tourné autour du nautisme. Quelque chose qui drainerait un petit peu toutes les générations, les plus petits, les adolescents, les familles. Encore plus d'événementiel avec encore plus de gaieté. La marche rose, par exemple, qui a eu lieu à Ouistreham, c'est bien, on marche sur la digue, mais je pense qu'il faut faire encore plus, qu'il faut apporter encore plus de bonheur, encore plus de gaieté, parce que c'est vraiment une bonne cause.